Ça va Clémence? Clémence? Salut les filles! Coucou! Coucou à la caméra! Ça dessine dur. À Clémence, elle lui a mis un petit coup de barre d'aller se balader sur la neige. C'est chaud la neige. Bon, elle n'a pas tout. En tout cas, c'est pas normal. Voilà, ah, bah moi je suis hyper bien habillé. Oui, alors on l'a pas montré, parce que j'ai honte, mais on peut le faire. Voilà, jogging vert, chaussettes rouges avec chaussures fluo, c'est immonde. J'ai fait beaucoup plus rouge. L'important c'est d'être à l'aise quand on a mal au dos, mais quand même. Ah ouais, puis surtout que ça tire partout. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent Charles, bah, c'est, il va pas mieux quoi. Voilà. Allez. Direction Saint-Flour, puis Mende, et après on sait pas. Soit par Aubenas, soit par... Mende, hein, je pense. Ah mais c'est Mende de toute façon. Ah. Après c'est soit on remonte à Aubenas, soit on descend par, par les Cévennes. Voilà. Ouais, on va faire ça. Et bon, on verra. Faut déjà aller jusqu'à Mende. Allez, ouais, jusqu'à Mende. Hein. Mer de nuages. Ouais. Ça fait tout. Hein. La montagne qui dépasse à peine. Ah, c'est là où il y aura la mer de glace. Ah ouais. T'as le droit là. C'est jamais quoi. Bah, faut que je relève le roulard, de attention. Ah, puis voilà. Ah, et voilà le soleil. Bah, regarde, yeah. La mer de nuages, trop beau. Ah, ouais, c'est hyper beau. Magnifique. Pas sûr que ça rentre jusqu'où à la caméra, mais en tout cas, c'est chouette. On se croirait sur le plateau des mille vaches. Ouais. C'est bon. Voilà, voilà. Je t'en fais un petit panorama, puis tu prendras ce que tu voudras. Du viaduc Eiffel, a priori un viaduc qui a été fait par monsieur Eiffel, mais on ne sait pas si on va le voir de l'autoroute. Exceptionnellement, on a pris l'autoroute. Ah non, ça c'est pas le viaduc, ça c'est un pont d'autoroute. Ouais. Bah, sinon, il aurait fallu sortir sur l'air, mais ouais, on va pas. Alors, c'est le suspense, est-ce qu'on va le voir ou pas? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le voir? En tout cas, on arrive en Lozère là, c'est vraiment beau. Enfin bon, là c'est l'autoroute encore. Moi je dirais qu'il est à droite. S'il est là, on le verra là. Eh bien, oui, il est là. Oui. Ouais, le viaduc. Le gabarit. Gabarit, fait par monsieur Eiffel. Stable. Stable. Ah, on est sur le plateau de l'Aubrac là. Il y a des vaches partout. Oh, c'est magnifique. On a bien fait de venir. Ouais, c'est beau là. C'est magnifique. Ah, ça me donne envie de m'arrêter et faire du drone. On va peut-être s'arrêter manger quelque part par là. Il est que 11h. Il est que 11h, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a? On est en Lozère, on est sur le plateau de l'Aubrac. Magnifique. C'est beau hein? Ça sert à rien de faire des milliers de kilomètres. Par contre, dès qu'on sort de l'autoroute, c'est direct plus beau, ouais. Il n'y a pas à dire. Mais bon, ça nous a fait gagner quand même 10 minutes, un quart d'heure de prendre la 4 voies. C'est les passages de vitesse, ça me prend toute la jambe, la sciatique. Bah, c'est un peu le problème, c'est que là, tu vas être servi un peu. Ouais. On va faire une pause. Bon bah c'est bon toi. Ouais. Et nous voilà spotés pour manger. Vous allez bien? Ah, filmer un petit peu. Paysage superbe. Superbe.
Hop. Magnifique. Si je zoome un peu, on peut voir les nuages. Non. Ouais, donc voilà, bah, on passe juste au-dessus de l'Ardèche, hein, justement, qui est là. Voilà, l'Ardèche est là. Et ouais, je vous conseille vraiment cette route là. Hein. On est sur la N102 entre Mende et Aubenas. Bah, c'est magnifique comme vous pouvez le voir. Là on est vraiment dans des couleurs superbes, un peu violettes. On va éteindre cette radio qui ne marche pas. Une bonne côte à 10% là. Ouais. Il y a des belles montagnes en Ardèche. C'est beau, hein? Ouais. Ben voilà, bah c'était pour vous montrer tout ça. Bon, allez, on est à 40 km d'Aubenas. 40 et km. Et après, je pense qu'il nous reste encore 50 bornes. Non, une centaine peut-être. Ah ouais, plus que ça. Attends, faut que je regarde la route quand même, parce que là. Allez, c'est bon. À tout à l'heure. Et voilà, on est arrivé en bas, on a tout descendu, on est au bord de l'Ardèche. C'est beau! Il y a plein de maisons à vendre, elles sont magnifiques, mais qu'est-ce qu'on viendrait vivre ici, c'est ça le... Ah, ça dépend, quoi. Ou alors il faut en avoir... il faut vendre la maison principale, et puis avoir une maison ici, et puis en fait vivre des voyages, quoi. Voilà. Ouais. Vivre des voyages, une chaîne YouTube, par exemple. Enfin bon, là, avec 250 abonnés, c'est... Tout gagné. C'est pas gagné, mais par contre, ou alors trouver un job d'été ici. Ouais, regarde, c'est très bon. Regarde. Voilà, il y a des baraques comme ça à vendre toutes les 5 minutes, c'est superbe. C'est là, et là, il y a l'Ardèche, il y a à peine 5 minutes, il y avait des grandes piscines naturelles dans lesquelles on peut se baigner. Pour venir l'été. Basaltique. Moi, que je fasse attention cette fois-ci à attacher mes lunettes, les enlever, ou en tout cas ne pas plonger avec. Voilà, allez, on est bientôt à Aubenas. Voilà, le centre-ville de Aubenas. Ah, ça a l'air beau, hein. Ça a l'air beau, hein. Faudrait qu'on revienne voir. Enfin, même, regarde la vallée, là. On dirait il y a des gorges là-bas. Ouais, c'est ça, les gorges de l'Ardèche. Ah non, parce qu'elles sont à 30 bornes d'Aubenas vers le sud, ah bon, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, non, par contre, il y a peut-être d'autres gorges, mais plus petites. Les gorges de l'Ardèche, elles sont à 30 km d'Aubenas. D'accord, d'accord. C'est vrai que le village est joli, hein. On dirait le château qui se fait attaquer par dans les visiteurs, là, tu sais. Ouais. Exact. Ah ouais, waouh, quelle culture. Très joli ce point-là. En fait, on était en train de se dire qu'on allait revenir, mais cet été. Cet été, ouais. Enfin, l'été prochain. Là, on a de la chance, il fait 17 degrés, donc c'est l'idéal, hein, pour voyager. Ni chaud, ni froid, on souffre de rien du tout. On est hyper bien. Parfait. Vive Noël. Ouais. Allez, prochaine étape, Pierre Latte. Tu me dis quand ça tourne? Ça tourne. Ouais, bon, on est arrivé dans 10 minutes. On est arrivé dans chez mamie. 10 minutes. On va voir mamie, tralalère. On est arrivé chez mamie. Enfin, chez Papido plutôt. Ça va, Jeanne? Ah, Bolène, à droite. Ouais, on voit le Mont Ventoux. Et le Mont Ventoux. Et là, le Mont Ventoux. On voit rien à la caméra. Oui, le Mont Ventoux. Bolène à droite. Pour la centrale nucléaire qui est là-bas. Ah, c'est pour l'alimenter en eau. Ouais, je pense qu'ils ont construit un canal. Enfin, c'est une hypothèse. Ouais, alors là, on est dans le royaume de... Mamie. Enlève ta attitude, Clément. Mamie.
secteur de Bolène à droite. Route touristique des Côtes du Rhône, putain. Je vais te dire. Bolène. Voilà, on y arrive dans 4 minutes. La température extérieure est de 18 degrés. Ah, tu sais, c'est comme il fait dehors. Il fait 15,6 degrés. 15,6 degrés, vous arrivez à Bolène, il est 16h10. Est-ce que je peux filmer? Oui. Ciao.